soir, l'atelier de percussion de Fred André. Sans eux, ben, le spectacle ne pourrait pas non plus avoir lieu. Donc bravo encore et merci pour leur gentillesse et compétence. Alors, juste que je voulais vous dire par rapport à cet orchestre que vous avez vu tout à l'heure, qui sont vraiment notre fierté et ils honorent le mot amateur, puisque amateurs sont les gens qui aiment, hein, ils viennent répéter toutes les semaines, certains viennent même de loin, hein, se débrouillent pour venir de leur travail, et ça c'est appréciable. Il n'y a que comme ça que les choses fonctionnent. Et en plus, finalement, en réfléchissant, on a très peu de temps pour travailler si on tient compte de l'installation. C'est un orchestre qui pratiquement va être une heure par semaine, donc c'est pas énorme. Un résultat comme ça, pour une heure par semaine, moi-même, je les félicite. Et merci de leur fidélité. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Tout le monde est-il prêt? Ça s'assemble. Alors, le temps que Fred. Alors, je vous rappelle évidemment qu'après Brésil, vous pourrez descendre, profiter de la soirée dansante. Je ne sais pas s'il reste du temps d'ailleurs, mais bon, on dansera un petit peu quand même. Il y a un buffet aussi qui est à votre disposition, qui est tenu par les gens de l'association Musipassion. Alors, qu'est-ce que Musipassion? Musipassion, ce n'est pas l'association qui gère l'orchestre en fait. Parce que l'orchestre, c'est tout simplement l'ensemble des accordéons du conservatoire de l'école de musique. Mais disons que l'association Musique Passion nous permet, par exemple, lorsque nous faisons un déplacement, voilà, de nous organiser un peu mieux. Donc c'est important aussi que cette association vive et soutienne l'ensemble. Je les remercie également. Pendant que ça s'assemble, vous dire aussi que cet orchestre que vous avez entendu, en fait, aura dans 2 ans 40 ans d'existence. Sans aucun trouble. C'est important. Il y a même des gens qui ont été à l'origine de l'orchestre. Donc j'espère que vous tiendrez le coup, les jeunes, au moins encore 2 ans.
Après, on renouvellera. Alors, pour cet orchestre, je peux l'annoncer. Nous avons d'ores et déjà un engagement à la rentrée, le 21 septembre, je crois, pour le festival Cour et Jardin. Donc, mais cet orchestre se déplace, ça fait une saison assez importante. Voilà. Et évidemment, nous sommes toujours ravis de terminer la saison avec vous tous à notre spectacle sur ce plateau. Alors, les choses s'arrangent-elles ? Ah ! Alors, voici donc pour eux. J'allais dire, c'est une première parce qu'on a joué. On a joué avec l'ensemble de percussions mercredi, mais il n'y avait pas en plus les juniors. Donc là, c'est la première fois qu'il y a tout ce monde. Alors, plaisir. Thank you.
si vous voulez. Allez, on y va. On lance le rythme avec les percussions et nous on attaque l'orchestre, ok? Allez. Et vous prenez à la, vous prenez voir.